même bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes partout dans le monde qui nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous souhaiter merveille et bonne année et nous croyons que quelque chose de très bon est sur le point d'arriver. Et nous sommes ici à Bujumbura en train de tourner l'émission Perspective prophétique et nous avons réservé pour vous une grande surprise, l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, que nous saluons déjà en disant bonjour et Bonjour shalom. Prophète Jimmy, shalom. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. 2013, comment vous l'avez passé, prophète? 2013 a été une très belle année. Pour nous, une année de transition qui nous préparait à ce que Dieu allait faire cette année. Et nous bénissons Dieu pour toutes les grandes choses qu'il a faites en 2013. Et nous sommes déjà en janvier 2014, nous commençons l'année avec de très bonnes choses dans la perspective prophétique. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et 2013, il y a eu beaucoup d'événements dans le monde, dans l'Église. Et en tant que prophète, quelle a été votre lecture par rapport à toutes ces choses qui se sont passées, qui sont déroulées partout dans le monde, tant dans les sphères politiques, économiques, mais aussi dans le domaine ecclésiastique, prophète? Vous voyez, l'année 2013 a été marquée par plusieurs événements qui n'ont pas laissé le monde semblable à ce qu'il était en 2012. Il y a eu plusieurs événements que nous avons rencontrés, notamment la perte de plusieurs grands hommes d'État. Nous avons eu la perte d'un homme comme Hugo Chavez du Venezuela, qui est un grand révolutionnaire. Nous avons eu la perte d'un grand révolutionnaire aussi, Nelson Mandela, qui nous a quittés en fin de l'année dernière. Nous avons eu ces deux grandes figures qui nous ont quittés sur le plan politique, des révolutionnaires, des innovateurs. Oui. Nous avons eu aussi la mort d'un grand prophète respecté que j'avais soupiré d'après une rencontre avec lui, mais que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, sinon de suivre sa chaîne de télévision, le prophète Cobus de l'Afrique du Sud. Un homme qui croyait en l'éternité, qui croit en la guérison divine, qui a opéré dans le surnaturel, une dimension extraordinaire, qui a innové dans le mouvement de la guérison après que les grands hommes comme les John G. Lake soient passés, les William Lyon Branham soient passés en Afrique du Sud, les Smith Wigglesworth soient passés en Afrique du Sud. Cet homme a porté un grand mouvement de guérison qui a affecté plusieurs nations. La fin de l'année, nous avons perdu encore un autre innovateur, un homme comme Paul Crash, le fondateur de TBN, qui a, par le canal de sa plateforme, mis en évidence tous ces grands talents qui nous servent de modèle aujourd'hui, tant sur le plan du leadership, motivation, guérison prophétique. Et TBN aujourd'hui touche le monde entier, le monde asiatique, le monde musulman, disons, même le monde des athées sont touchés aujourd'hui par la chaîne de télévision TBN. À chaque émission, vous allez voir non seulement qu'on prêche la parole, mais qu'il y a l'appel au salut qui est fait. Oui. Imaginez le nombre d'âmes qui sont gagnées tous les jours et à chaque minute par cette grande chaîne de télévision qui capte le monde entier, TBN Africa, TBN Europe, TBN. Ça a été une année dure pour le monde, la Philippine qui a connu le typhon Ariane, et il y a eu beaucoup de bouleversements en 2013. Et c'est surtout par la perte de ces grands hommes que nous allons retenir. Est-ce que tous ces grands événements cachaient-elles un message, avaient-elles un aspect prophétique, ou devrions-nous juste laisser passer cela comme des grands événements qui ont touché le monde, ou bien il y a une lecture prophétique à faire par rapport à tous ces grands événements, tant politiques et ecclésiastiques aussi? Bon, déjà, une chose est sûre, la Bible déclare l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait tout le temple. Vous savez, autrefois, l'autorité, le gouvernement et l'influence que le roi avait sur plusieurs nations étaient symbolisées sur son corps par la longueur du pan de sa robe. Okay. Plus il avait de nations, plus le pan de sa robe était long. Alléluia. Et la Bible déclare que le pan de sa robe remplissait tout le temple. Yes. Et on a dit, Saint, 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 l'Éternel, car toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, la gloire du Seigneur, l'influence gouvernementale du Seigneur est manifeste sur toute la terre. Yes. Mais c'était pendant qu'il avait vu le roi Ozias qui n'était plus sur son trône. Je suis très convaincu que c'est pendant un temps comme celui-ci, où nous avons perdu des grandes figures emblématiques de notre génération, que le Seigneur est en train de vouloir se manifester comme celui qui est assis sur le trône. Amen. C'est dans le temps comme ceci que nous savons que Dieu a le contrôle de tout, il a le contrôle sur tout, et que lui au moins, son trône ne peut pas être ébranlé. Son trône ne sera jamais vide parce qu'il est mort, parce qu'il a vieilli, parce qu'il est hospitalisé. Il est sur son trône et il est en train de contrôler toutes choses. Et pour moi, dans des temps comme ceci, il est important de savoir que lorsque l'on perd de grandes figures
du monde, que ce soit dans le plan global, que ce soit dans le plan ecclésiastique, chaque fois qu'un homme particulier meurt, il est important de savoir que sa mort est comme une graine, est comme une semence qui tombe sous la terre et qui va permettre une croissance, une germination, une naissance, ou bien une renaissance de plusieurs autres types de personnes de la même espèce que lui. Et moi, je crois que chaque fois que Dieu permet qu'un révolutionnaire meure, c'est parce que sa mort va être une semence qui va tomber sur la terre et qui va donner naissance à une plus grande moisson, une multiplication des révolutionnaires qui vont naître. Et je suis très convaincu qu'il y aura des hommes nouveaux dans la politique qui vont se lever, yes. De nouveaux Mandela qui vont se lever. Vous pouvez vous rappeler à l'école de ministère que nous avons eu en juillet 2013. Juin-juillet 2013, nous avons prophétisé la mort de deux hommes. La première, nous avons annoncé la mort de Nelson Mandela, oui. Que sa mort allait être la fin d'une saison de la vie politique pour le commencement d'une nouvelle saison. Oui. Et que par sa mort, il y allait avoir un réveil. Des hommes et des femmes qui allaient s'élever sur le plan politique et qui allaient donner naissance à la nouvelle Afrique et à un monde nouveau sur le plan politique. Des hommes qui allaient avoir le même ADN, oui. Spirituel et même génétique que ces hommes qui sont partis. Donc, dans des temps comme ceci, nous devons savoir qu'il va avoir un réveil sur le plan politique. Yes. Il y aura de nouveaux hommes qui vont se lever avec la même trempe, avec la même passion, avec le même esprit de réconciliation. Amen. Qu'a eu un homme comme Nelson Mandela. Yes. Et un mois avant la mort de Nelson Mandela, nous étions à l'église et pendant que j'enseignais sur Dieu, son peuple et ses serviteurs et ses prophètes. Et pendant que j'enseignais, je me suis arrêté plusieurs fois parce que j'étais en train de voir sur le plan international, CNN France 24, on annonçait partout la mort de Madiba. Et Dieu avait dit qu'il allait mourir avant la fin de l'année 1, de 2. Dieu nous a même donné plusieurs précisions qu'il allait avoir et surtout que sa mort allait annoncer un renouveau qui allait commencer par l'Afrique du Sud et, pour donner naissance à la nouvelle Afrique. Donc la mort de toutes ces personnes-là pour nous symbolise la fin d'une saison et le commencement d'une saison où il y aura une multiplication des hommes et des femmes de la même espèce que ces personnes qui sont parties. Prophète, il y a, pendant que vous êtes en train de parler, juste une question qui est en train de fleurir mon esprit par rapport au leadership, par rapport aux grands leaders, par rapport à tous ceux qui sont en train de bouleverser le monde actuellement. Pourquoi est-ce qu'on a comme l'impression que c'est beaucoup plus le monde anglophone, le monde hispanique, qui connaît une ascension fulgurante par rapport à l'influence au monde, tandis que le monde francophone, nous n'avons jusque-là... Sur le plan ecclésiastique, sur le plan... Donc, de manière globale, oui. que dans le monde politique ou dans le monde ecclésiastique, on a comme l'impression que le monde francophone est un peu en retard. Qu'est-ce qui peut être à la base de toutes ces choses? Merci bien pour la question. Je crois que l'émission est déjà francophone. Et je crois que ceux qui vont nous suivre sont précisément des francophones. Donc, ce message sont à tous les francophones qui vont nous suivre. Déjà, il y a un plan culturel. Vous savez, l'anglophone et le francophone ont deux différentes manières de voir les choses. Le francophone, déjà sur un plan purement basique, vous verrez, même sur le concept du temps. Oui. Pour l'anglophone, le temps est un concept linéaire. Mais pour le francophone, le temps est un concept cyclique. Cyclique. Donc, pour le francophone, il se dit, si je rate cette opportunité, elle reviendra par un cycle. La semaine prochaine, je peux avoir une autre opportunité, deux ans après 7 ans. Donc, le francophone est prédisposé à rater une opportunité en ayant la foi que cette opportunité reviendra. Parce que pour lui, le temps est cyclique. Mais pour l'anglophone, le temps est linéaire. Okay. C'est-à-dire que le temps qui passe ne revient plus. Donc, l'opportunité que j'ai à saisir maintenant, je dois la saisir. C'est pour cela que ces hommes ont un plus grand impact dans le monde. Déjà parce que, pour eux, ils considèrent que le temps qui se présente à moi maintenant est le temps que je dois maximiser. Yeah. To maximize the moment. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et même sur le plan spirituel, sur le plan ecclésiastique, vous verrez que les anglophones n'ont pas le temps à perdre. Ils sont les premiers dans l'évangélisation, le premier à faire avancer le royaume sur le plan de l'influence dans les 7 secteurs stratégiques de la société. Ils voient les choses totalement différemment parce que pour eux, chaque temps qui est devant eux, ils l'utilisent pour le maximiser. Mais le francophone se dit, Dieu va te restaurer les années qu'on dévoile les sauterelles. Il te donnera une autre opportunité. Si tu as raté cette année, 2014 est arrivé. Dites Amen et tout le monde dit Amen. Et ainsi, nous n'avons pas le respect du temps. Et sachant déjà que Christ est en train de revenir, les anglophones maximisent parce qu'ils se disent que nous nous rapprochons.
Mais le francophone se dit qu'on a encore beaucoup de temps et surtout que, bon, si ça rate maintenant, ça viendra plus tard. Et il y a encore un autre point, c'est que le francophone, il est très verbal, il est très discoureur. Oui. Vous voyez, chaque année, déjà en 2014, vous verrez philosophique, poétique. Le francophone parle beaucoup. Le francophone aime les discours, comme moi, je suis en train de parler. Il aime les discours, il aime les expressions. Chaque année, Robert Larousse, vous verrez tous ces dictionnaires-là avec de nouvelles expressions. Vous allez voir plusieurs expressions qui entrent chaque année dans la francophonie, alors que le monde anglophone n'est pas pareil. Nous aimons trop parler, mais l'anglophone, il est pratique. Le francophone va te dire, tu vas réussir en 2014, mais l'anglophone va te dire, les 27 principes pour réussir en 2014. Et ces hommes-là sont plus pragmatiques que nous. Nous parlons beaucoup, mais eux, ils agissent beaucoup. Nous sommes beaucoup plus dans la dimension de l'agneau de Dieu. Ils sont plus dans la dimension du lion de la tribu de Judas. Et voilà pourquoi nous sommes dans la défensive. Eux, ils sont dans l'offensive, ils sont actifs et nous ne sommes passifs. Et j'ai été au Nigeria, par exemple, j'ai visité l'église du Bishop David Owoede pour plusieurs fois. J'ai vu comment est-ce qu'il travaillait. Vous allez vous rendre compte que ces gens ne dorment pas. Nous étions en pleine conférence Shiloh, il prêchait 3 fois ou 4 fois même par jour, sans manger ni boire. Et non seulement ça, mais la nuit, il ne dormait pratiquement pas parce que toute la semaine, il a fini un livre qu'il écrivait. Wow. Et nous, les francophones, nous avons une phrase préférée que nous disons toujours, je suis fatigué. Donc, à peine commencé, je suis fatigué. Je commence à lire, je suis fatigué. Je commence un livre, je suis fatigué. Déjà, nous avons beaucoup de retard. J'étais l'année passée avec, j'ai visité le Zimbabwe, j'ai visité l'église Spirit Embassy du prophète Hubert Angel, que je salue, que je respecte énormément, qui est un père de le prophétique dans notre génération. Vous allez voir que ces hommes travaillent d'arrache-pied. Ils n'ont pas de temps à perdre dans beaucoup de choses dans lesquelles nous, encore les francophones, nous sommes dans les discussions théologiques, discussions doctrinales, discussions d'opinions, de convictions. Et ces hommes sont en train de gagner le monde aujourd'hui parce qu'ils ont toute autre perception des choses. Gloire au Seigneur. Alors, 2014, essayons d'être beaucoup plus pragmatiques. 2014, essayons de changer, essayons de voir les temps de manière linéaire. Ce qui passe ne revient plus. Et chers francophones qui nous suivez partout dans le monde entier, nous pensons que ce n'est pas encore trop tard. Il est encore possible de faire quelque chose, de gagner le monde pour Christ, d'influencer positivement notre génération. Alors, prophète, ici à Bujumbura, vous dirigez une église, Zion Temple, et on a entendu beaucoup de choses. Dieu a fait de grandes choses par rapport à la vie de l'église, mais par rapport à la ville aussi. Mais ce qui m'intéresse et ce qui intéresserait tout le peuple qui nous suit, nous voudrions un peu que vous nous puissiez nous relater quelques grands témoignages que vous avez pu expérimenter en 2013, qui vous ont vous-même marqué, puisque nous ne l'étions pas. Oh, qu'est-ce que je vais dire? En quelques minutes, raconter les hauts faits de l'Éternel. Beaucoup à dire, beaucoup à raconter. Mais sinon, je bénis Dieu. Vous savez, comme plusieurs le savent, je suis depuis l'année passée, 2013, je suis au Burundi, à Bujumbura, où je me suis installé pour faire avancer le royaume de Dieu ici. Vous savez, notre appel n'est pas que l'appel pour le Congo. Nous n'avons pas un appel que national, nous avons un appel sous-régional, nous avons un appel continental, nous avons un appel international. Et en tant que prophète et apôtre du Seigneur, depuis déjà 2012, nous étions à Goma, à l'est du Congo, et Dieu nous avait parlé qu'il était en train d'envoyer plusieurs apôtres et prophètes au niveau de l'est. Car vous savez, même dans notre pays, la majorité des problèmes que nous avons, les problèmes de guerre et d'insécurité, sont toujours au niveau de l'est. Et l'est est l'une des grandes portes spirituelles de notre pays. Nous avons même enseigné cela quand nous avons parlé des portes d'entrée, en fait des portes par lesquelles le diable passe très souvent pour attaquer notre nation. Et Dieu nous avait dit qu'il allait commencer à envoyer ses serviteurs, ses apôtres et prophètes dans ses coins stratégiques pour jouer un rôle particulier. Et il a plu au Seigneur de m'emmener au niveau de l'Est ici, où j'ai longuement travaillé. Et notre présence ici n'est pas juste pour habiter une maison, s'habiller, manger, travailler. Non, nous sommes là pour travailler spirituellement. Nous sommes là pour nous opposer à toute forme de principauté spirituelle. Car vous savez, le prophète est un esprit territorial. Lui-même déjà est une autorité gouvernementale. Sa présence dans un territoire annonce la fin d'un système pour le début d'un autre.
nous a envoyés ici pour faire partie de ce grand mouvement qui veut travailler pour faire tomber toutes ces barrières qui nous divisent entre frères dans toute cette région, afin de permettre que le royaume des cieux puisse passer. Vous savez, si entre nations nous avons toujours des problèmes, non seulement nous allons, sur le plan politique, sur le plan d'échange économique, nous allons avoir plusieurs défaillances, mais nous allons aussi empêcher que la mission puisse s'accomplir, parce que Dieu ne nous a pas envoyé en disant « Allez faire de toutes les nations, sauf telle nation ». Non, il a fait de toutes les nations des disciples. Donc le Congo a une mission d'influencer le Burundi, d'influencer le Rwanda, d'influencer la Tanzanie, d'influencer le Congo-Brazzaville, d'influencer l'Angola, d'influencer les nations. Et tant que nous allons rester dans ces barrières politiques, nous n'allons pas permettre à l'œuvre de Dieu de se manifester. Voilà pourquoi nous sommes là pour ouvrir la voie et permettre au règne de Dieu de se manifester et à celui des hommes, des intérêts égoïstes et malsains de pouvoir tomber. Amen. Donc Dieu a fait de grandes choses ici au Burundi depuis mars de l'année passée, nous sommes ici. Je bénis Dieu surtout pour la grande moisson d'âme qu'il y a eu. Je ne cesse d'avoir des témoignages des personnes qui étaient dans le monde, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, tant dans les concerts et concerts dans lesquels j'ai eu à intervenir pour amener des âmes à Christ, au niveau de l'église, des croisades que nous avons organisées. Je bénis Dieu pour ces hommes, ces femmes, ces politiciens, ces jeunes hommes, plusieurs même des universités ont été réveillés parce que, à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais l'influence de notre message est allée tant sur la table de la femme maraîchère qui vend au marché que sur le bureau de l'homme politique le plus élevé du pays. Dieu a permis à notre voix d'être entendue dans cette nation. Amen. Et au message apostolique que nous avons prêché depuis plusieurs années à Kinshasa, d'être aujourd'hui en bénédiction pour cette nation. Et aujourd'hui, il prie que nous ne puissions pas partir, que nous puissions rester, car nous ne travaillons pas uniquement pour sauver des âmes, mais pour aussi améliorer les citoyens de la nation, pour les permettre de briser le divorce qui existe entre la population et le pays, la population et le drapeau de leur pays, la population et leurs armoiries, la population et l'hymne national. Nous sommes en train de travailler pour restaurer, pour briser cette séparation qui est entre le peuple et la nation. Vous savez, aujourd'hui, autant qu'au Burundi qu'au Congo, le diable a travaillé pour nous approcher d'un divorce. Aujourd'hui même au Congo, vous êtes, si on faisait cette émission, qu'on avait le drapeau du Congo derrière, on allait dire que je fais partie d'une certaine classe politique, je fais partie d'un certain parti politique, je suis utilisé par un certain parti politique, alors que le drapeau est le dénominateur commun de notre nation, que vous soyez de l'opposition ou bien de la majorité. Vous voyez, le diable a beaucoup travaillé comme ça. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, le travail que j'ai fait à Kinshasa en prêchant, je suis en train de voir les fruits ici. En moins d'une année, Dieu a déjà fait de grandes choses et il a permis au message apostolique et prophétique que nous avons d'être entendu. Les miracles, que dire, les baptêmes du Saint-Esprit, vous savez, là c'est là où nous naviguons d'habitude. Nous aimons la puissance, nous croyons la puissance. Je ne crois pas qu'au discours des francophones, je crois que la parole de Dieu doit être démontré. Je crois en l'ainsi et l'éternel. Mais pour qu'il y ait un ainsi et l'éternel, il faut qu'il y ait un ainsi dit et un ainsi fait l'éternel. Amen. Lorsque Christ est ressuscité dans Actes chapitre 1, il s'est manifesté à eux par rapport aux choses qu'il disait et qu'il faisait. Et je crois aujourd'hui que le ainsi et l'éternel parmi nous, sa nature, son caractère, doit être vu par les choses que nous disons et que nous manifestons. Et nous étions ici pour démontrer la puissance de Dieu. Les paralytiques ont marché. Des personnes qui ont le sida ont été guéries, des femmes stériles ont enfanté, des goîtes qui ont disparu. Une démonstration de la puissance de Dieu sur le plan prophétique avec des détails inouïs. Dieu a fait des choses extraordinaires, des foyers ont été restaurés par l'onction prophétique. Il faudra toute une émission pour raconter, peut-être même faire venir quelques-uns de ceux qui ont vu la main de Dieu. Vraiment. Mais sinon, nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Et nous déclarons que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit prophétique qui se meut dans la ville, se meut uniquement pour glorifier Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples instruments et il a fait ces choses pour la gloire. Gloire au Seigneur. Mais prophète Joël, il y a quelqu'un qui nous suit à Kinshasa et qui s'est dit que prophète Joël Francis a laissé tomber Kinshasa. Il a choisi Bujumbura. Qu'est-ce que vous direz à tous ceux-là de Kinshasa particulièrement qui pensent que, bon voilà, ils ne vous ont vraiment pas vu en 2013, juste à l'activité de l'école qui était exclusivement pour les serviteurs des dieux. Et puis après, on ne vous a plus revu jusqu'à la fin de l'année. C'est dit, mais pourquoi est-ce que Kinshasa ça n'a pas été l'affaire des lances du prophète Joël Francis comme d'habitude. Il a pourtant choisi d'être ici à Bujumbura. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à tous ceux-là de Kinshasa? Deux choses. Je suis très présent à Kinshasa. Gloire au Seigneur. Dans Jean chapitre 14, Jésus qui dit que vos cœurs ne se troublent point, je vais aller vous préparer une place. Bref, et
Il dit, je veux préparer une place. Et l'un de ses disciples demande, mais où vas-tu et quel chemin nous allons prendre pour y aller? Et dans le discours ouvert, juste en avançant, Christ a dit, je suis avec vous depuis tout ce temps, vous ne m'avez pas connu. Et il a dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père que tout le monde cherchait à voir se voyait par le Fils. Parce que le Fils porte les germes de son Père. Amen. L'enfant fait la joie de son Père. Amen. Mais le Fils fait la fierté de son Père. Amen. Lorsqu'un enfant naît, c'est tout à fait naturel que tout le monde soit dans la joie. Mais lorsque l'enfant finit la licence, l'enfant est licencié, gradué, l'enfant a un master's, le Père peut enfin le présenter. Amen. Christ, à son bas âge, n'a pas été présenté. C'est le Fils qui a été présenté. Et lorsque la voix dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je bénis Dieu parce que, en tant que père, je suis au Burundi, mais je suis vu par mes fils. Parce que moi et mes fils, nous ne faisons qu'un. Et je bénis Dieu pour les grandes choses que Dieu fait par mes fils au niveau de Kinshasa, dont le présentateur qui est juste en face de moi. Voilà, donc je suis très fier d'être à Kinshasa et valablement représenté par mes filles et mes fils qui travaillent et en train de mettre le feu à Kinshasa. Bon. Je vous avais promis que je vous laisse mettre le feu, je viendrai mettre du kérosène. Donc Dieu a fait de grandes choses à Kinshasa et je ne cesse d'avoir des appels des aînés hommes de Dieu, des amis hommes de Dieu qui me disent « Reste, vis éternellement, repose-toi là-bas parce que tu es valablement représenté par des hommes et des femmes, non seulement qui prêchent ton message prophétique, qui transmettent la même profondeur des messages que tu as, mais aussi qui démontrent la puissance de Dieu comme tu le fais. Amen. Et certains m'ont dit, ah prophète, il y a même des choses qui se font même plus que ce que toi tu faisais. J'ai dit, gloire à Dieu, parce que ceux qui croient en moi, ils doivent faire ce que j'ai fait et faire de plus grandes choses. Amen. La joie d'un père est de voir que les fils font plus que lui. Parce que lorsque tu engendres des enfants qui font moins que toi, c'est une malédiction. Il faut que tes enfants fassent plus que ce que toi tu as fait. Et en fait, c'est une déclaration assez dangereuse. Lorsque tu engendres un enfant qui fait des choses moins que toi, c'est une malédiction. C'est une malédiction parce que plusieurs pères pensent que la paternité est de rester un chef coutumier, un gourou. Et c'est ce qui a tué l'Afrique aujourd'hui. Parce que nous voulons qu'après nous vienne le chaos pour qu'on pense à nous, pour qu'on dise que nous étions les seuls, pour qu'on dise qu'il n'y aura plus personne comme lui. Non, le temps est arrivé où nous devons avoir une nouvelle manière de voir nos pères aujourd'hui. La manière dont les pères doivent se considérer. Un père ne doit pas trouver bon que ceux qui viennent après lui puissent faire moins que lui. C'est un échec. Mais prophète, juste pour vous ravir un peu la parole, à Kinshasa par exemple, pour prendre ces cas beaucoup plus particuliers, c'est devenu pratiquement une culture où quand un père voit un fils monter, il se sent en danger, deux éléphants ne peuvent pas être dans la même cage, et tout ça. Mais ça devient un peu une culture. Comment devrons-nous appréhender les choses actuellement par rapport surtout à la pensée de Dieu? Et comment est-ce que l'Église devrait-elle travailler pour changer au fait ce système-là qui a longtemps freiné l'Évangile au Congo et détruit notre génération? Dieu élève une nouvelle génération des pères. Amen. Ça, la Bible déclare que lorsque l'Esprit sera répandu, vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on parle des fils et des filles qui prophétisent, on parle d'une famille. Il y a des fils et des filles. S'il y a des fils et des filles, il doit y avoir des pères et des mères. Amen. Et Dieu suscite dans cette génération des pères et des mères qui vont préparer l'atmosphère de la maison pour permettre aux fils de se manifester. Et vous savez même que dans la parole de Dieu, lors de la restauration, lors de l'établissement du tabernacle de David, il y a eu trois familles. La famille d'Azaph, de Jedutun et d'Aman, qui se sont levés comme des pères pour pouvoir, avec leurs fils, au son de la harpe et de la musique, être des voyants du roi et prophétisant sur sa forme musicale. Et c'était des fils qui travaillaient avec leur père. Et c'est eux qui ont assuré la perpétuité, disons, la continuité, la constance du culte dans le tabernacle de David. Et alors que Dieu élève, comme dans Actes des Apôtres et dans Amos, il avait promis, la tente de David, c'est cette église prophétique du temps de la fin, où il n'y a pas trois parties comme dans le tabernacle de Moïse, où Dieu élève cette nouvelle génération, il ne doit pas avoir de procédures, des protocoles. Il doit avoir des pères qui montent avec leurs fils. Et c'est cette dimension que Dieu est en train de lever. À Kinshasa, Dieu m'a dit, une nouvelle génération des pères se lève. Amen. Dieu élève de nouveaux pères avec les cœurs des pères. Amen. Parce qu'il est une chose, l'apôtre John Eckhart, qui est l'un des grands
père du mouvement apostolique a dit ceci. Il a dit, la plus grande crise de notre génération n'est pas la crise des prédicateurs, mais la crise des hommes de Dieu avec un cœur de père. Nous avons beaucoup de bons prédicateurs, des parleurs, des discoureurs, des hommes qui maîtrisent l'art, l'homélétique, qui savent comment parler en public. Mais nous n'avons pas beaucoup de pères, hein, des hommes qui ont le cœur de vouloir désirer d'engendrer. Des hommes qui engendrent, des gens qui emmènent en maturité. Et il est tragique de voir que plusieurs de nos enfants souffrent aujourd'hui parce que nous avons eu le courage de mettre au monde, nous avons mis ces enfants dans la rue. Gloire au Seigneur, c'est très pertinent, très profond comme... Donc nous annonçons qu'une nouvelle génération de pères se lève. Une nouvelle génération de pères se lève. Une nouvelle génération de pères qui se lève pendant que certains pères sont là. Parce qu'il y a des hommes qui vont régner après que des rois meurent, comme dans la Bible, mais il y a des hommes comme Salomon qui ont régné, qui étaient rois pendant que son père était vivant. Et Dieu élève de nouveaux pères pendant que les pères sont là. Oh. Hein? Une nouvelle génération, une nouvelle jeune génération qui s'élève comme père parmi les pères. Parce que Dieu veut faire de nos pères des grands-pères et faire de nos fils leurs petits-fils. Donc Dieu est un Dieu de génération. Et l'esprit de lui qui vient, c'est pour réconcilier le cœur des fils vers le père. Vers le père, et les pères vers leurs fils. Et c'est cet esprit qui se met pendant cette génération. Dieu brise toutes les barrières qu'il y avait entre les générations et il permet surtout à l'esprit d'un homme comme Salomon de se lever. Des hommes nous seront parmi nos pères, mais en train de régner pendant qu'ils sont là. Parce qu'ils ont préparé pour nous tout le matériel d'élever cette nouvelle église comme temple et pour aller dans la paix, voyant le fruit de leur travail être manifeste à leurs yeux. Gloire au Seigneur. Et nous allons emmener nos pères au repos. Alléluia. Parce qu'ils verront des pères s'élever avec leurs petits-fils. Quelque chose de nouveau est en train de se passer dans le monde. Quelque chose de nouveau est en train de se passer dans l'église corps du Christ et particulièrement dans l'église du Congo. Nous le croyons. Nous allons continuer ces émissions avec d'autres chapitres, avec d'autres sujets qui seront, vous vous rendez compte de combien elle est très pertinente, la perspective prophétique. Il est important d'avoir une lecture prophétique, mais qui est donnée par un prophète qui a la pensée des dieux. Nous croyons cela. Prophète, nous sommes vraiment arrivés à la fin de l'émission. Malheureusement, le temps nous est très imparti, mais juste une parole pour 2014, juste une parole par rapport à ceux qui nous suivent, ceux qui sont en train de suivre maintenant à Kinshasa, à Brazzaville, en Angola, à Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Canada, partout. Nous nous rendons compte que le monde entier est connecté maintenant pour entendre une parole que le Seigneur vous met à cœur maintenant. Pour cette personne, peut-être qu'elle ne connaît pas le Seigneur, c'est la première fois de vous voir. Pour cette personne qui peut-être est fatiguée, elle a beaucoup prié, elle a beaucoup jeûné, mais il n'y a pas assez de changement. Pour cette personne qui croit que Dieu est injuste, pourquoi? Parce qu'il y a eu en Philippines, pourquoi les hommes meurent autant? Pourquoi est-ce que Dieu... pour toutes ces personnes qui nous suivent de plusieurs couches qui s'attendent au Seigneur, en tant que prophète, une parole venant de la part de Dieu, nous croyons en cela et que vous qui nous suivez, soyez prêts à écouter le prophète, soyez prêts à recevoir de la part de Dieu quelque chose qui est prêt à changer votre vie. Je vais juste partager ce que j'ai reçu à 3h du matin, Bujumbura à Burundi. J'étais à Zion Temple, prenant la parole pour annoncer la parole du jour après avoir... emmener le peuple à traverser 2013 à 2014. Le Seigneur nous a donné une parole prophétique et c'est celle que j'annonce à l'église corps du Christ et à tous ceux qui me suivent. Dieu nous a dit, tu détermineras ton niveau. Vous savez, plusieurs personnes, lorsque nous présentons les vœux, les souhaits et nous disons que cette année t'apporte. En fait, une année n'apporte rien. Mais ce sont les hommes qui apportent à l'année. Et cette année ne sera que ce que vous allez faire d'elle. Dieu est notre Dieu à nous tous. Mais Dieu ne travaille qu'avec ceux qui sont actifs. Plusieurs ont fini 2013 dans les stress, disant que Dieu n'a pas accompli ses promesses, juste parce qu'eux aussi n'ont pas accompli leur part. Vous faites et Dieu fait. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu, cette année, est en train de vouloir amener son peuple à un niveau élevé, d'autorité, d'influence et d'impact. Mais Dieu dit que chacun va déterminer son niveau. Voyez-vous, la Bible déclare... dans la maison, il y a plusieurs vases, utilisables pour plusieurs événements. Il y a des vases de terre, des vases d'argile, des vases de bois, des vases d'or, des vases d'argent, des vases d'honneur. Et bien, déclare, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera. Vous savez, Dieu n'a pas prédestiné. Dieu a dit dans cette parole
Il dit que la personne qui va s'abstenir, qui va se conserver, bref, qui va payer un certain prix, il sera un vase d'honneur. Il y a plusieurs catégories de vases. Les catégories sont prévues. Les catégories sont prédestinées. Mais les hommes ne sont pas prédestinés. Dieu a dit ceci, il a dit que les niveaux sont déjà établis, les niveaux sont là. Mais si tu es prêt à payer le prix qu'il faut, tu vas te qualifier pour être au sommet, un vase utilisé pour les grands événements. Donc cette année ne dépendra que de toi, du prix que tu accepteras de payer. Dans la consécration, dans la sanctification, dans ton objectivité, dans ta planification, dans ton travail, de la manière dont tu vas gérer ton temps avec Dieu, ta famille, ton argent, dont tu vas manager les choses. Tu vas déterminer quel niveau tu auras. Dieu a déjà prévu tous les niveaux, mais tu auras le niveau que tu vas mériter. Tu auras le niveau que tu vas choisir par le genre de prix que tu es prêt à payer. Le temps n'est pas à beaucoup parler, à beaucoup déclarer au début de l'année, mais le temps aujourd'hui est à passer en pratique. Comme je l'ai dit, les anglophones sont très pragmatiques. Vous allez même remarquer que Twitter ne compte que quelques mots que l'on peut utiliser. 120. Mais Facebook est plus utilisé par les francophones parce que pour eux, il faut beaucoup parler pour s'exprimer. Et aujourd'hui, cette année, pour tous les francophones qui me suivent, même vous tous qui allez me suivre, soyons pratiques cette année. Dieu attend de grandes choses de nous et ne le faisons pas perdre du temps. Il y a beaucoup de changements qui vont avoir lieu, dont je parlerai à la prochaine émission. Mais cette année est une grande année pour toi. Le niveau est déjà établi, c'est à toi de rejoindre ton niveau. Que Dieu vous bénisse sinon et bonne année à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu déplisse, le niveau est déjà établi, c'est à toi de payer le prix de la sanctification, de la prière, de l'objectivité, dans la prise de conscience. Il est temps de passer à un autre niveau, l'Église du Congo, l'Église dans le monde. Nous vous aimons, nous vous souhaitons encore bonne année et que Dieu vous bénisse et on se revoit au prochain numéro. Merci.